Cartier, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de produits d'impression, principalement la vente de cartouches d'encre recyclées. Puis, donc, c'est donner une deuxième vie à une cartouche d'encre qu'on achète neuve dans un magasin. On peut venir l'acheter ici, payer moins cher pour une cartouche qui a été re-remplie. C'est sûr qu'au début, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Faut pas compter les heures, c'est la première règle. Pas compter les heures, faut pas s'attendre à avoir un salaire non plus en partant. C'est les deux, les réalités les plus dures de l'entrepreneur. Mais la motivation en contrepartie vient du fait qu'on est son propre boss, on a son propre horaire. J'ai jamais vraiment travaillé pour quelqu'un d'autre, autre que des jobs étudiantes ou pendant l'été ou pendant mes stages à l'université. Mais comme on a parti ça pendant l'université, nos deux dernières années, c'était quand même un peu une étude de marché. Après, on a terminé nos bacs, puis on s'est dit « let's go, on fonce, puis on s'ouvre un magasin ». C'est ton projet qui grandit, ce que tu fais de bien, ça a un impact direct sur ta qualité de vie, sur ta qualité de travail. Si tu fais une erreur, ben, tu en subis les conséquences. C'est un peu comme avoir son propre enfant là, qui grandit, puis il va avoir les qualités, les défauts que tu vas avoir développés autour. À la base, pour être un bon entrepreneur, c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin de tout connaître. Il faut juste être capable de bien s'entourer. Je pense que tous les jeunes ont déjà vendu de la limonade ou passé la tondeuse chez un voisin, mais à grande échelle, c'est juste des petits gestes entrepreneuriaux. Donc, il faut juste développer cette fibre-là. Puis, c'est ce qui va faire qu'on va avoir de la relève pour les jours futurs.